Nous, ça nous tenait beaucoup à cœur de jouer dans ce théâtre-là, parce que c'est un théâtre qu'on apprécie énormément, qui joue en même temps des auteurs modernes, en même temps des auteurs classiques. Donc, c'était le lieu rêvé pour lancer le spectacle à Paris. Et bien nous en a pensé, c'est très bien, ça se passe super. Donc, on a été prolongé jusqu'au 22 mai, c'est, l'aventure continue. C'est, il y a un temps, la reprise de janvier, un lieu, le théâtre de poche, un auteur, un comédien qui intéresse, qui émerge, quoi, parce que c'est vrai que on me connaissait pas beaucoup. Donc il y a un intérêt, et puis si le spectacle est bon, inventif, et donc toutes sortes de tout ça mis l'un avec l'autre, pouf, ça. Mais on connaît pas les recettes exactes, non, mais. Et c'est, faut prendre des risques et puis il faut y aller. Et puis c'est la magie du spectacle vivant, c'est la rencontre avec le public. Dans ce spectacle-là, je m'adresse au public et le public est mon partenaire particulier sur le spectacle. Donc pendant 1h15, on vit, on voyage ensemble. Je me mets à nu avec lui, je lui dévoile tellement de choses qu'on a partagé 1h15 ensemble et ça me semble. Comme un coup de cœur qu'on a avec quelqu'un, on a partagé tant de choses, on parle avec le cœur, je suis sincère parce que c'est vrai, et que chaque soir c'est un public différent, chaque soir c'est un voyage différent, et moi j'ai besoin du public, j'ai besoin de cette écoute, j'ai besoin de sentir qu'il se passe quelque chose, et c'est la moindre des choses de le remercier. Et puis au Théâtre de Poche, cette petite salle là où il y a une vraie proximité, c'est-à-dire que je joue quasiment sur les genoux des spectateurs du premier rang, je vois tout, je chante tout, et ça porte merveilleusement le spectacle. Parce qu'on est dans Amok, c'est un homme qui se livre à la faveur de l'obscurité, qui a un secret très lourd à porter et qui doit s'en délivrer. On est sur quelque chose de très fin, très, très, très subtil, et cette salle le permet. Et il y a une écoute qui est extraordinaire, parce que le public est tout proche, là, il sent tout, il voit tout. C'est un gros plan sur ce mec et sur ce qu'il vit et sur ce qu'il ressent. Je voulais faire un monologue depuis un bout de temps. C'est un exercice auquel je pense chaque comédien à un moment dans sa vie a envie de s'y pencher un peu, de s'y frotter. Et j'ai lu beaucoup de monologues qui avaient été écrits par d'autres auteurs et je trouvais pas le truc. Et un soir, je suis un grand fan de Zweig, j'ai lu tout Zweig, sauf une de ses nouvelles que je n'avais pas encore lue, qui s'appelle Amok. Et un soir, en rentrant chez moi, je lis ça. Ça a été bouleversant, quoi. Limpide. J'ai été happé par cette nouvelle et je me suis lancé dans l'adaptation de cette nouvelle en monologue, moi-même comme un amok. C'était fou, quoi. En 2 semaines, je l'avais fait. Parce que tout s'y prêtait. Il y avait la dramaturgie qui était là. Il y avait Zweig a une écriture très fine sur la psychologie de ses personnages. C'était un grand admirateur de Freud. Donc, ce personnage qui a un secret trop lourd, il n'hésite pas à se mettre à nu et il analyse très bien ses failles. Et il n'hésite pas à les dire. Et donc ça, pour un comédien, c'était du petit lait, parce qu'en plus j'avais une palette extraordinaire à montrer, c'est-à-dire qu'on passe du doute à la colère, à la passion, au désir, il y a tellement de choses en 1h15. Dès que j'ai adapté, j'ai pensé à ma metteur en scène Caroline Darnay pour lui proposer le travail. J'avais déjà travaillé avec elle, c'est une femme extraordinaire qui a énormément d'imagination et qui est très, dans son esprit, j'ai envie de dire gothique. Elle adore Poe, elle adore Maupassant. Donc quand je lui ai proposé cette nouvelle de Amok, qui parle de la folie, de la folie amoureuse d'un homme, elle a été tout de suite partante et on était tout de suite sur la même longueur d'onde. Ouais, le spectacle repart à Avignon, dans la très très belle salle de la Reine du Théâtre du Rouen-Rouennais, qui est une très belle salle de 200 places. Ouais. Et sinon, je vais rentrer en répétition en novembre pour jouer au Théâtre du Ranelagh, janvier, février, mars 2017, L'Aigle à deux têtes de Jean Cocteau, qui sera mis en scène par Issam Shail. Issam, c'est mon meilleur pote avec qui a créé la compagnie et qui a hébergé Amok. Et il est comédien, il fait aussi de la mise en scène, et ça va être sa première mise en scène au Ranelagh. Voilà. Donc oui, là j'ai des envies d'écriture, j'ai des envies de projet je suis en train de me nourrir, de me remplir plein de mondes différents avec des lectures, des films, pour un projet potentiel pour dans un an et demi. Ouais. Mais d'ici là, s'il y a toute proposition, évidemment, je ne suis pas contre du tout. Oui, un film, Les Ogres. Là, récemment, dernier coup de cœur, je l'ai vu il y a 3 jours. Un film sur une troupe de théâtre itinérante qui joue du Tchekhov partout en France et en Suisse. C'est un broglio de personnages complètement fous. Voilà. C'est marrant parce que c'est les coulisses du spectacle vivant. En même temps, c'est des bouts de vie cassés, fêlés, mais
qui se livrent et qui vivent les uns avec les autres autour de la passion du théâtre. Donc, je trouve ça très chouette, très beau. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. La bêtise. La bêtise. La bêtise. La bêtise humaine. Mmh. On n'a pas besoin de rentrer particulièrement dans les détails, on a tous compris. Ma chérie qui est repartie au Brésil avant-hier. Voilà. Feu Chatterton. Un groupe de rock français, pop, qui cartonne. Je les ai vus au Trianon il y a 2 semaines. Ils sont. Il y a un mec qui chante qui s'appelle Arthur Teboul, qui a des textes hallucinants. Feu Chatterton. Ils sont fantastiques. C'est vraiment mon coup de foudre. Avoir eu l'opportunité d'être prolongé, de jouer au théâtre de Poche Montparnasse. Ouais, c'est un bon gros coup de bol ça. Non, puis en plus je suis pas rancunier donc j'oublie très vite. Alors. Kuba. Non. Mes coups d'envoi le 12 juin, France-Roumanie au Stade de France. Ouais. Je jouerai même pas, je pourrais regarder le match, je suis trop content. C'est un cuisinier qui a eu la bonne idée de faire un plat principal à base de poulpe dans un restaurant qui s'appelle l'Hôtel Edgar et il le fait merveilleusement et ça tient du génie. Voilà. Et Hôtel Edgar à Place d'Alexandrie dans le 2e arrondissement. C'est merveilleux. Voilà. Ouf, il y en a plein. Ouh là 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 là. Il y en a plein. C'est assez impulsif. Ça peut être pour tout n'importe quoi. Ça peut être des pigeons dans la rue. Ça peut être des enfants qui pleurent dans le métro. Ça peut être des gens qui mangent du pop-corn à côté de moi au cinéma. Voilà, le dernier coup de sang, c'est ça. Avec ma compagnie et Issam, on a présenté le concours du Théâtre 13, qui est un concours de mise en scène pour les jeunes metteurs en scène. On a présenté Le Deuil si est à Electre de Eugène O'Neill, qui est une trilogie normalement de 3 fois 3 heures qu'on a condensé en 1h30. Et on l'a présenté, on arrive au troisième tour, mais on a eu 10 voix pour et une contre. Il fallait avoir l'unanimité, donc on n'a pas pu aller au dernier tour. Mais c'était un très beau coup d'essai avec une superbe équipe, encore une fois, plein de jeunes comédiens très talentueux. Et c'est un très beau coup d'essai qui ne s'arrêtera pas à cette porte fermée du concours, je pense. Adapté à Mock en anglais pour faire le Fringe Festival l'année prochaine. Ça me tue parce que je voulais aller voir tellement de pièces. Les Cavaliers, le Cyrano de Bergerac à la Porte Saint-Martin. Mais je ne peux rien voir, je joue tous les soirs. Voilà. J'ai vu qu'ils étaient prolongés, heureusement. Donc ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir aller voir La Mouette d'Ostermeyer en juin à l'Odéon. Et puis ensuite, coup de théâtre, je suis très content que y ait une toute belle jeune génération qui soit représentée au Molière. Et en général, dans le théâtre parisien, qui a plein de jeunes et qui a tant d'envie, tant de créativité. Piano, panier. Piano, pa! Oh la vache! Piano, panier, voilà. Ça va. Et quand tout fout le camp, je prends la poudre d'escampette, comme étant mon pour ralentir, que les voix se taisent. Après la tempête, je flotte dessus mes hantises. Dessus la